fait, je fais les chapeaux parce que j'en porte depuis très jeune et puis j'aime le déguisement. Donc pour moi, un chapeau, ça fait partie d'un look et ça complète un look. Sans chapeau, on n'est pas fini pour moi. Faire un chapeau, ce n'est pas que le décorer, c'est faire la forme, choisir la matière, tirer la matière, faire tout. Et moi, je fais tout de A à Z. Donc, je fais le chapeau, je m'occupe des clients, je m'occupe de l'image, du packaging, de tout. Ma source d'inspiration sont les belles filles, les beaux garçons. En fait, c'est plutôt l'enfance en général, parce que l'enfance, pour moi, les années 50, 60, 70 et 80, pour moi, sont des belles années où les gens étaient plus lookés, je pense, et plus insouciants et avaient moins peur de porter des choses extravagantes. Donc, j'essaye de remettre toujours au goût du jour l'extravagance. J'aime bien les gens extravagants. Je fais aussi des choses très classiques parce que j'ai collaboré avec des maisons comme Chanel ou comme je travaille régulièrement avec des maisons de couture. Et j'arrive à faire, je pense, à donner un petit look. On a quelque chose en plus avec un chapeau. Je suis aussi content maintenant que je l'étais à l'époque, parce que si j'avais continué à l'époque, j'aurais dû devenir quelque chose des chapeaux industriels pour en faire vraiment plus, parce que j'avais beaucoup de demandes et j'ai jamais arrêté de continuer de produire, d'avoir des boutiques à Londres, à Paris, à Anvers, partout. Et j'étais devenu en fait un peu un gestionnaire et quelqu'un qui s'occupe du personnel et des boutiques, etc. Et ça ne me plaisait plus tellement et c'est pour ça que j'ai arrêté en fait. Et là, je me suis posé la question pendant 8 ans, comment faire pour revenir? Et finalement, c'était très simple, c'était revenir et faire tout seul. Et maintenant, je fais tout moi-même. Je fais les chapeaux moi-même, je m'occupe des clients moi-même. Je n'ouvre que 3 jours par semaine, mais c'est suffisant et c'est très bien.